On va repartir sur notre petit jeu. Et donc, on a juste fini avec la base Game Data. Et maintenant, on va attaquer le Scene Controller. Alors, on va créer un nouveau fichier. On peut le créer directement de Mono. On va l'appeler Scene Controller.cs. New. OK. Vous pouvez vous faire des petits shortcuts keywords pour mettre des en-têtes de code avec Mono. C'est ce que j'ai fait. Si je tape Mono, tab, il me met Unity Engine, système collection directement. OK, donc ce script, cette classe va être ce qu'on appelle donc un singleton, mais ça va être un mono behavior de toute façon. Donc le singleton fait en sorte, en fait ça réagit un peu comme une statique, fait en sorte que vous n'avez qu'une seule instance de cette classe dans la scène. Hein. Vous garantissez d'en avoir qu'une seule instance et donc ça pour des choses comme des managers, et en fait, ce qui est actuellement ce qui est le cas ici, c'est assez souvent utilisé à bon ou à mauvais escient, car faire attention, le singleton c'est assez pratique à utiliser de par son accès facile. Seulement, le problème c'est que si vous vous apercevez que vous avez besoin d'avoir une instance de cet objet et pas seulement une, ça peut vous poser quelques problèmes. Donc, à utiliser véritablement, uniquement quand vous n'avez vraiment besoin que vraiment d'une seule instance de cet objet-là dans la scène. OK, donc, public class scène contrôleur. Sera donc un oop mono behavior. On va créer une région oop là singleton, puisque je vais juste la compartimenter à part, comme ça je sais où c'est. OK, d'accord. Vous pouvez aller voir sur le Unity Wiki, puisqu'en fait c'est de là que j'avais vu ça il y a très longtemps. Et ça y est toujours. Et il vous donne comment dire, une des démarches pour créer un singleton. C'est pas la seule qui existe, hein. Alors, statique. Vous avez donc une variable privée du type de votre classe. Et comme elle est statique, évidemment, elle ne peut pas être instanciée plusieurs fois. Et ensuite, vous utilisez une propriété, une property, donc public. Je vous l'ai dit au départ, j'utilise comme des fonctions du même type que votre scène, public scène contrôleur instance. En fait, vous allez avoir accès à la public static scène contrôleur instance, qui va vous retourner la variable privée en fait. Donc, si vous voulez, la variable privée static scene controller instance pointe sur elle-même, donc le scene controller, votre classe. Et pour y accéder, vous passez par la propriété public static scene controller instance, avec instance avec I capital, qui va. Vous allez voir, qui va en fait juste vérifier que l'instance n'existe ou pas. Si l'instance existe, elle vous retourne, elle va vous retourner donc l'instance privée, donc l'objet en lui-même. Si elle n'existe pas, il la crée. Mais dans notre cas, elle sera dans la scène déjà dès le départ. Donc get et set, ce sont toujours les mots clés avec les propriétés. Donc, si notre instance, et là on parle de l'instance privée avec petit i capital, c'est important de faire les deux, si elle est nulle, ce qui sera le cas au départ de la scène,
si elle est nulle, on va aller chercher dans notre scène GameObject find of type. Donc on va chercher un objet du type SceneController. AsSceneController. Je ne vais pas rentrer dans les détails, retenez-le comme ça. Si vous avez des questions après, vous pouvez toujours les poser sur le forum. Donc, si on ne trouve pas d'objet de type SceneController dans la scène, ça veut dire qu'il n'existe pas et qu'il faut donc le créer. D'où notre deuxième if check pour regarder encore si l'instance est nulle. Je veux dire, si on n'a pas trouvé d'instance, l'instance sera toujours nulle quand on va arriver sur notre deuxième if. Donc, dans ce cas-là, on va créer un new GameObject. Non, pas GameData. Qu'on va nommer SceneController. Et on va lui ajouter le composant SceneController. Ce qui, dans ce cas, va nous créer notre objet, notre GameObject, dans la scène, avec son composant SceneController, et on va retourner l'instance. On pourrait très bien faire un public static SceneController instance et dans le awake dire que l'instance égale 10. Ça reviendra un peu au même. Le fait de passer par une propriété, ça permet justement de faire ce genre de check avec le get. Vu que ça fonctionne véritablement comme une fonction, ça permet de vérifier ou de faire certaines choses avant de retourner quoi que ce soit. Ce qui n'est pas le cas si vous utilisez une simple variable. Ensuite, void application kit. Juste pour vous assurer, comme vous traitez des variables de type statique, pour vous assurer qu'elle est bien resetée quand vous quittez l'application, donc quand vous fermez Unity, voilà, ça remet à zéro en fait le truc. Ouais, regardez sur le wiki, c'est en anglais, mais Wiki Unity, ce petit bout de code-là est expliqué. Sinon, vous pouvez toujours taper Singleton, C-Sharp, Google, et voir comment ça fonctionne. Ok. Alors, dans ce SceneController, je vais avoir besoin de deux variables pour le moment. Donc, on va faire un petit région field. Région field, je vais fermer le singleton région parce qu'en fait j'ai pas besoin de le voir. Je vérifie juste que d'accord, ok. Donc je vais avoir besoin d'un public interne total. Total hole number. En fait, le nombre de balles que je veux instancier. Et je vais pouvoir régler ça directement via l'inspecteur, donc je mets public. Par contre, je vais avoir besoin d'un deuxième variable qui, elle, sera privée, qui restera interne à la classe. Ce sera un integer aussi. Et total ball remaining, ça veut dire le nombre de balls, enfin de balles qu'il reste dans la scène. À chaque fois qu'on va détruire une balle, on va updater le nombre de balles qui nous restent pour savoir si le joueur a détruit toutes les balles ou pas. Donc on a besoin de garder une trace de ça. Ensuite, nous passons région, méthode. Alors, hop, décidément, j'ai du mal avec ça. Première fonction, comme on a un mono behavior, awake.
singleton aussi, la manière à laquelle je fais la chose, c'est que ça me sert aussi un petit peu de scène initialiseur, ce qui est pratique parce que le problème des composants avec Unity, c'est que vous avez awake, vous avez ensuite enable qui arrive derrière et start. Et vous ne pouvez pas vous assurer de savoir qui va passer entre plusieurs awake ou plusieurs start. Vous ne pouvez pas contrôler. Actuellement, les dernières versions d'Unity, vous pouvez maintenant contrôler l'ordre des scripts exécutés. Mais vous n'êtes pas en mesure de contrôler véritablement qui va être, quelle fonction va être exécutée entre les scripts. Donc ça peut poser des problèmes si vraiment vous commencez à avoir besoin d'avoir des choses qui doivent être initialisées avant les autres. Et ça finit en nulle référence car mauvaise synchro et les valeurs ou les données que vous avez besoin n'ont pas été initialisées correctement ou suffisamment avant. Donc, en utilisant cette espèce de système de contrôleur, de data et tout ça, en ayant en fait un cerveau dans la scène qui s'occupe de centraliser un petit peu les choses, ça vous permet de faire les initialisations ou les choses qui vraiment doivent être passées en premier plan dans un point centralisé. Et ensuite, à partir de là, comment dire, dériver sur les autres choses. Grosso modo, vous avez par exemple ici le contrôleur sera peut-être le seul à avoir une fonction awake. Et tous les autres scripts n'auront que enable ou start, ce qui assure que le send contrôleur sera initialisé à chaque fois le premier, en gros. Ok, donc sur ces bonnes paroles, donc awake. Alors, première chose dans awake, c'est que je veux initialiser mes données game data. Donc, initialise game data. Et pour ça, j'ai juste besoin, comme c'est une statique, c'est pratique, game data dot, et je vais aller initialise data. Tout simplement. Et dans cette fonction, on a vu que j'ai un booléen qui dit que si les données ont déjà été initialisées, il ne va pas les réinitialiser. Donc, ce n'est pas un problème. Si je passe dessus à chaque fois, il sera initialisé qu'une seule fois. Oh, OK. Ensuite, avant de continuer de la fonction awake, je vais avoir besoin d'une autre méthode que je vais appeler. Donc, ce sera une méthode qui ne sera pas. Pour l'instant, je ne vais pas la mettre publique. J'en aurai peut-être besoin après. Mais pour le moment, on va dire void initialize. Hop, je regarde si j'ai bien tapé. Oui, initialize scène. Et de cette méthode, on va instancier nos boules dans la scène. Cette méthode, je vais l'appeler évidemment dans awake. Voilà. Ensuite, initialize scène. On va faire juste un for loop, tout simplement, pour instancier nos boules. Donc, ce qu'on va faire, c'est un for interne de i, donc format classique, hein, i inférieur à notre total bool number, i++. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire ici? Je veux instancier mon objet qui se trouve dans mon dossier ressources préfab slash bool. Alors, je vais utiliser instanciate et je vais instancier l'objet qui va m'être retourné de mon game data getAssetPass fonction, si vous en rappelez. Donc, j'écris déjà et après on voit ressources, load. Et là, il faut que j'aille chercher donc l'objet à son pass et on va faire game data get asset pass et on va lui passer comme argument le nom de notre clé dans le dictionnaire. Et là, on a trois parenthèses. Ouah.
Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on veut instancier dans la scène un objet qui est dans le dossier ressources et le pass que l'on a besoin pour instancier cet objet, en fait, on va aller le chercher via notre game data, via le dictionnaire qui est dans game data, en fait. C'est peut-être pas. Il y a vraiment moyen de faire plus simple là, actuellement dans la configuration du jeu, mais je n'ai pas besoin de faire ça. Mais si par la suite, on va dire que j'ai plusieurs levels et que dans chaque level, je veux juste charger certains types d'objets ou de balls, je peux donc stocker tous mes objets qui sont dans mon ressource folder dans mon dictionnaire et appeler ça de la manière que je veux. Il faudra modifier un petit peu le contrôleur de manière à avoir un. Comment dire, à pouvoir changer un peu les choses plus facilement, mais c'est un peu l'esprit du truc. Ça reste flexible en fait. Je peux populer mon ressource folder comme je veux. J'ai juste besoin d'ajouter dans mon game data ici, donc dans le set pass for ressource asset, j'ai juste besoin d'ajouter plusieurs lignes ici, si, des éléments dont j'ai besoin. Et ensuite, c'est juste un simple appel avec l'identifiant pour l'objet. Et ok, je vais aussi donc incrémenter mon total ball remaining plus 1. Alors, en toute logique, le total ball remaining devrait être égal à mon total ball number, mais au cas où, je préfère le faire d'ici. Ok, donc avec ce qui est déjà là, on devrait pouvoir au moins instancier nos objets dans la scène. Donc, je vérifie, on va tester. Donc, un petit commande B pour s'assurer que la compilation, il n'y a pas d'erreur. D'accord. Je repasse sous Unity. Donc, nous allons créer un GameObject vide que je mets en 0,0 à chaque fois. On va l'appeler SceneController. Décidément, ça m'énerve ça. ok, donc SceneController. Et on va dropper dessus notre script SceneController. On va mettre 10 balles. Et on va voir si ça marche. Donc, si je ne me suis pas trompé dans mes syntaxes ou choses comme ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, car Unity nous donnera un beau message d'erreur. Je vérifie juste le game data pour voir que get asset pass asset name, try get my output. D'accord, donc ça devrait fonctionner. Donc voyons voir, je fais play. Et voilà, donc nous avons nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai dû me planter. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, nous avons nos 10 petites boules là. Donc, oui, mon scène contrôleur, ok. Si je fais 0, vous pouvez vous amuser aussi. Hein. Normalement, il ne devrait rien m'instancier du tout. Voilà. Et si vous faites 5000, vous pouvez vous amuser comme ça. Ah, évidemment, il va prendre un petit moment, mais il les instance. Voilà. Ah oui, il n'a pas aimé. C'était juste comme ça pour tester. 100, allez. Hop. Ok. À 100, il est contre. Je suis curieux, j'ai jamais vu ce. C'est tout nouveau, ce nouveau message d'erreur. Bon, bref. Ah, de toute façon, vous n'allez jamais avoir besoin d'autant de boules dans la scène. Donc, mais je veux dire. 20 scènes. Contrôleur, voilà. Une chose qui serait beaucoup mieux de faire en fait, c'est d'aller chercher le pass avant de pas vous amuser à aller le chercher à faire cet appel de fonction de ressource load directement
comment dire, dans la loupe. Si par exemple, vous pouvez éventuellement aller chercher le game data get asset pass avant, aller chercher votre objet avant, le garder dans une variable temporaire et l'instancier comme ça. Ok, donc ce que je voulais dire, vous pouvez faire quelque chose dans cet esprit en fait. Plutôt que de faire appel aux ressources load, game data, get asset pass, blablabla, blablabla, dans la loop, faire le for, machin, because à chaque fois que vous appelez game data, get asset pass, vous passez dans le dictionnaire et cherchez. C'est peut-être aussi un problème si vous en faites de trop. Donc vous pouvez juste utiliser une variable temporaire pour cacher l'objet qui se trouve dans votre dossier ressources. Vous faites un cast puisque vous avez besoin de récupérer un game objet. Donc en C Sharp, on fait un cast en fait de variables et vous placez entre parenthèses le type que vous cherchez à récupérer. Ce qui veut dire que ressource load game data get asset, il va vous renvoyer une asset. Mais vous récupérez en fait le game objet, le type game objet de cet asset que vous allez stocker dans temporary ball. Et ensuite, dans votre loop, vous ne faites juste que instancier cet objet autant de fois que vous voulez. Et ça marche exactement de la même manière. Donc là, si j'ai 20 balls, hop, je fais play. Et vous avez exactement la même chose. Maintenant, je vais essayer de refaire 5000 pour voir si Unity se porte mieux. Et il a toujours un peu de mal. Voilà. Donc, il m'a instancié. Ah, non, il m'a toujours. Ok. Too many pairs. Ok. Ouais, c'est intéressant. Bon, c'était juste comme ça à titre d'exemple. Mais, ok, 500. Pas tellement utile, hein. Vous amusez pas à savoir ce que je fais là. En fait, je découvre aussi un peu. Ok. Donc, moi, grosso modo, nous avons là juste réussi. Donc, nous avons notre game data qui nous donne notre ressource, qui par la suite en fait nous permettent de récupérer le game object dans ce dossier, etc. et de l'instancier. Donc première chose de fait avec le contrôleur, ça nous permettra d'initialiser la scène avec ce qu'on veut comme asset dans le dossier ressources par la suite. Voilà.